Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Gran Turismo Sport. Et les amis, dans cette vidéo on est parti pour découvrir un peu cette petite mise à jour, donc la 1.56. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors on voit qu'il y a donc trois nouvelles bagnoles. Donc l'Aston Martin DBR9 GT1, ok. Après on a la petite Fiat 500, 1 litre 2, 8 valves, ok. Et on a la Nissan 180 SX type X, un modèle de 96, les gars. Ok, bon bah je pense que pour ma part je vais partir du côté de la Nissan 180 SX, histoire de voir un peu et de tester. Alors allez, on est parti pour acheter cette voiture déjà. Alors du côté de l'Asie, Nissan. Ok. Alors la voiture est là. Les gars, ça va pas me ruiner. 30 000 balles la bagnole. Je pense que je peux l'acheter. Alors on voit que la cylindrée, bon, quasiment 2000 cm3. Tac, tac, tac. Puissance 206 chevaux à 6000 tours minute. Ok. Bon, 206 chevaux quand même, hein, pour une bagnole d'époque. C'est pas mal, c'est pas mal. Et poids 1220 kg. Allez, on va acheter les mecs. Alors, quelle couleur? On a du blanc, on a du gris, on a en noir, on a en... Alors, cette couleur-là, je sais pas trop ce que c'est. On a du rouge. Bon, écoutez, je pense que je vais partir sur du blanc. Ah, tiens, là, on la voit bien, la couleur bizarroïde. Ouais, c'est celle-ci. Bof. Allez, on va partir sur du blanc. Allez, j'achète. Oui. Ok, le petit monstre est là. Alors, votre nouvelle voiture a été ajoutée au garage sélectionné. Cette voiture, affirmatif. Ok, donc, alors, bon bah les gars, on va aller se faire une course directement avec, hein, j'ai envie de dire. Et après, donc, il y avait... alors, attendez, juste, on va regarder les autres voitures. Voir le prix, tout ça. Alors, du côté de Aston Martin, donc ça, c'était le gros monstre de la mise à jour. Hein. Ouais, donc ça, c'est clairement un avion de chasse, les gars. En groupe 3, les gars. Alors, DBR9 GT1. Alors du coup combien elle coûte? Ah oui, 450 000 les gars, j'avais pas vu. Elle vaut 450 000. Ouais, ça fait mal quand même, ça fait mal. Mais bon, par contre, regardez le monstre que c'est, 608 chevaux. C'est clairement un avion de chasse. Oh, l'intérieur, il est vraiment magnifique aussi. Ouais, c'est une voiture de course les gars. Là, on est clairement sur de la voiture de course. Bon ok, allez, on va voir l'autre, la petite Fiat 500. Alors, Fiat c'est là. Ok, elle est là. 23 000. Bon, elle est pas chère, je pourrais l'acheter. Modèle de 2008, 1 litre 2 les gars. 1 litre 2 c'est vraiment pas énorme. 66 chevaux. Pouh. Les gars, il y a des chevaux sous le capot là. Allez, on s'échappe et on va tester de suite la petite 186. Ok. Ok. Alors allez, en campagne. Ok. Alors ligue amateur. Est-ce que j'ai un truc un peu catégorie chinois? Là. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Ok. Bon, bah, alors les gars, on va partir sur le premier. Alors, est-ce que je peux... Voilà, je peux avec cette voiture. Donc, on va valider cette voiture. Je vais la booster, bien évidemment. Je vais pas la laisser d'origine. Je vais la booster et puis on va la tester. Donc, les gars, je vais enfin tester cette voiture avec la manette Burn Controller. Donc, avec la manette... Avec les palettes derrière, donc pour passer les vitesses, ça va être juste hyper stylé. Voilà, juste pour petit rappel, si vous voulez vous acheter une manette Burn Controller avec les palettes derrière, vous pouvez. Vous avez le code Gaming06. Voilà, vous aurez 5% sur l'intégralité du site. Allez, donc du coup, paramètres voiture, et de là, on booste les gars, on booste tout ça. Donc de 253, on passe à 303 chevaux. Ok. On va booster encore, 350 là. Et le dernier, on passe à 400 chevaux les gars. Donc là, du très lourd. Maintenant, ici,
Voilà, 400 chevaux, on y est. Pour ce qui est de la réduction de poids, alors là je suis à combien? Là je suis à 1220 et on passe à 1171. Ok, est-ce que je peux encore baisser? Oui. Et après, ouais, 1000 kilos, allez, pourquoi pas. Et de là, je baisse encore. On est presque à 1000 kilos, quoi. On est presque à une tonne la bagnole pour 400 chevaux. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pas validé, donc je valide. Maintenant, les pneus, on va mettre des pneus tendres. Voilà. Voilà, pour ce qui est des pneus, on est OK. Maintenant, les gars, je vais en profiter. Je vais me mettre la transmission séquentielle. Voilà. Et de là, je pense qu'on est bon. Voilà, donc là, je suis parfait. Je vais pouvoir passer mes vitesses avec ma petite manette bien stylée. Et j'ai envie de dire, démarrage. Allez les gars, on est parti pour tester un peu ce petit bolide. 400 chevaux tout de même. Hein. Allez go, passage de rapport direct. Ah, freinage. Alors, il y a du monde là, dis donc. La E86 et tout. Alors, je sais pas si c'était pas une 3000 GT là derrière, je sais pas, fais gaffe. Allez, plein ballon. Faut rattraper tout ça. Du coup, je suis 12e. Ouais, quand même, j'ai du monde à rattraper, ouais. Petite BRZ là. Allez, 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 à fond. Ça fait plaisir de jouer avec les palettes. Franchement, c'est vraiment stylé, quoi. Allez, gros freinage là. Allez, à fond. C'est quoi une RX7 ça, non? J'ai pas fait gaffe. MX5, AE86. Ça, c'est quoi? Mitsu, on dirait. Ouais, on dirait. Allez, rétrogradage. Ah, petite soupe là juste devant. Allez, on repart. Allez, il y a tout au rupteur. Je vais faire sortir la boîte quand même. Allez, à bloc. Telle la Subaru, les gars. Bah, qu'est-ce que j'aime cette voiture. Et elles sont plus stylées les anciennes comme ça là que les toutes nouvelles, je trouve. Encore, c'est pas ce modèle là que je préfère, c'est le modèle qui était juste après. Elle était pas tout à fait pareille. Bah voilà, tiens, on a le nouveau modèle juste devant là. Tiens, je vais rentrer dedans, désolé, pas fait exprès. Allez, à bloc, on repart. Ah, est-ce que je vais réussir à me le doubler celui-là? Allez, sur la gauche. Quatrième. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez. Ok. Ouh là, gros freinage. Allez. Allez, ça repart de plus belle. Oh, quel régal les gars, quel régal. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu sur ce jeu, mais c'est vraiment un pur régal à chaque fois. Et surtout maintenant avec la manette comme ça là, oh, c'est vraiment le kiff en fait. En fait, on a vraiment l'impression d'être derrière un volant et avoir une boîte séquentielle du coup. Non, les gars, on a la petite Supra juste devant. Bon, si je passe à vitesse, c'est mieux aussi. Pro, stylé à Supra. La légende, les gars. Allez. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont rentré dedans. Oh, l'autre avec sa Supra. Ah, la légende. Vous avez vu la légende, ce qu'elle me met? Voilà. Sympa, ça. Sympa. Attendez. Elle va pas faire la belle, ça. Allez, vite. On va vite se la rattraper, celle-là, si je peux y rentrer dedans. Non, je ferai pas ça. Ah. Et voilà, du coup, je me viande. Alors attendez, voilà. Je me remets le casque là, il est en train de glisser le truc. Allez, vite.
Bon, alors il reste 2 tours. Allez, 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 allez. Faut que je me remette dans le bain. Allez! Allez! Le gros freinage là. Allez. Boum. Vitesse. Et mince. Oh, ils m'ont mis la pression, les gars. Ils m'ont mis la pression là. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, rattrape-moi-les, rattrape-moi-les. Allez, 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 allez. Mais il reste un tour, je crois. Non, 2 tours, du coup. Petit raccourci, voilà, oui. Tranquille. Allez, c'est maintenant que je vais doubler, les gars. Allez! Allez, 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 allez. Ah bah du coup c'est les deux premiers là en fait. Ouh, c'est quoi cette belle petite skyline qu'il y a devant, les gars? Pop, 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 quel monstre. Ça, ça fait plaisir aussi. Hein. Allez, laisse-moi passer. Voilà, bon bah les gars, je suis premier. Bon bah non, il faut que... faut que je continue comme ça quoi, en gros. Faut pas que je me boite. Allez, 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 à fond. Je suis à bloc, les gars, je suis à bloc. Allez. Bon, ça va, j'ai une petite avance. Les gars, dernier tour. Allez, 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 allez. Oh, j'ai fait du deux roues là. Allez, dernier tour, on y va, à bloc. Allez, 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 allez. Cinquième vitesse, un gros freinage en bas. Ok, c'est bon. Allez, c'est presque fini. Que la boîte est sortie du moteur. Allez, petit drift. Bon, voilà, on est arrivé, les gars. Tant bien que mal, j'ai envie de dire, mais on est arrivé.
Ok, super. Bah, bah voilà les gars, la course est finie. Oh, ça m'aura fait plaisir en tout cas de revenir sur ce jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait vraiment depuis un petit moment que j'étais pas venu. Voilà, en tout cas j'espère que... Oh, 45 000 balles. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas vraiment stylé. Avec la manette et tout là, c'est vraiment terrible. Bon bah voilà les gars, du coup j'arrête pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram. On a le Discord. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec Utip, c'est entièrement gratuit, vous suffit juste de regarder des pubs. Et donc si vous voulez vous acheter, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez vous acheter une manette Band Controller, vous avez le code GAMING06, vous avez 5% sur l'intégralité de leur site. Allez, tous les liens seront bien évidemment dans la description. Donc sur ce, je vous dis bon game à vous les amis, et à plus les amis, à plus.